Et socio culturel À présent, mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier et vous dire ma gratitude. Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n'avais plus aucun mandat électif. Par deux fois, et à une majorité confortable, vous m'avez investi de votre confiance. C'est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l'ai toujours considéré non comme une source de privilège, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d'être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais quels que soient les critères d'évaluation, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Je suis fier d'avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire, un leg qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair play. Le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté, car j'ai le Sénégal chevier au corps et j'ai le Sénégal au cœur. Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie, notre histoire et notre destin commun, transcende mes fonctions officielles. Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une fondation dédiée à